Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bibliogrill, le premier de l'année 2023, ce qui est l'occasion pour moi et toute l'équipe de la délégation à la coopération de vous souhaiter une bonne année et de vous présenter nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année et tous vos projets auprès des territoires et des habitants, comme l'ont rappelé très récemment les associations professionnelles par rapport à des affiches quelque peu on va dire biaisé. On s'est dit que justement, c'est en ce début d'année où on parle de bonnes résolutions, on allait parler, nous, d'engagement, d'aller aller plus loin, un peu aussi lié à cette récente polémique. Et c'est pourquoi on a souhaité proposer un numéro intitulé « Engagement ou neutralité, un dilemme pour les bibliothécaires ?» point d'interrogation, puisque c'est ce que l'on va voir aujourd'hui. N'hésitez pas, vous le savez, vous en avez l'habitude, à poser vos questions dès à présent, pour alimenter la discussion de la deuxième partie de notre Bibliogrill. Et sur notre Bibliogrill aujourd'hui, et je l'en remercie, nous accueillons Johanna Wasani. Bonjour Johanna. Bonjour Jean-Baptiste. Johanna, tu es chargée de mission DGD et aménagement du territoire au sein du service du livre et de la lecture du ministère de la Culture. Et on peut le dire dès à présent, ce sujet de l'engagement des bibliothécaires, des bibliothèques, c'est un sujet sur lequel tu as beaucoup réfléchi. Tu as notamment écrit un mémoire d'études à l'ENSIB. Et c'est donc avec toi qu'on va réfléchir à cet apparent dilemme qui peut y avoir entre devoir de réserve, en tout cas obligation de l'agent de service public, et en même temps l'engagement des bibliothèques sur tout un tas de sujets. On pense à la question du développement durable, mais il y en a plein d'autres, et de voir comment on peut éventuellement concilier les deux. Et pour commencer, ma première question, Johanna, sera un peu pour poser les bases, on va dire, de notre discussion. De quoi parle-t-on quand on dit l'engagement des bibliothécaires ? Merci Jean-Baptiste. Avant de commencer, j'en profite également pour vous adresser à toutes et à tous mes meilleurs voeux et je suis ravie d'être avec vous ce matin. Donc, quand on parle d'engagement, donc c'est effectivement un sujet sur lequel j'ai travaillé, on peut partir d'une définition globale. L'engagement, c'est une action au service d'une cause qui va être considérée par un individu comme suffisamment importante, soit pour lui-même, soit pour un collectif. Et donc, ça va entraîner de sa part une prise de risque. L'engagement est en ce sens une forme d'action. Et si on l'analyse un petit peu d'un point de vue théorique, il y a trois grands paradigmes qui viennent définir l'engagement. Il y a le paradigme économique avec des penseurs comme Hirschman qui définissent l'engagement comme l'action, comme une action qui résulte d'une analyse coût-bénéfice entre ce que ça va me coûter d'agir et le bénéfice que je vais en tirer, soit pour moi-même, soit pour un ensemble, soit pour un collectif. Et donc, parfois, il peut aussi avoir un intérêt à ne pas agir tout en bénéficiant de l'action des autres. On parle des passagers clandestins, qui est une notion qui revient assez fréquemment. Donc ça, c'est le paradigme économique. Il y a le paradigme sociologique qui analyse cette fois-ci l'engagement d'un point de vue organisationnel, c'est-à-dire que chaque groupe d'acteurs est porteur d'une sociabilité organisationnelle qui vient créer un sentiment d'appartenance à un groupe qui va susciter l'action. Et dans le cas des organisations publiques, par exemple, le sentiment d'appartenance à un groupe peut se définir par plusieurs éléments, donc le cadre de l'activité, le statut, l'idée qu'on travaille dans l'intérêt général. On pourrait développer longuement là-dessus. Donc économique, sociologique, et le troisième paradigme de l'engagement, c'est le paradigme philosophique qu'on va retrouver cette fois-ci chez des penseurs comme Sartre ou Camus, qui analyse l'engagement comme un impératif moral de participation à la vie politique. Vie politique ici entendue comme l'organisation de la vie et des relations entre les personnes. Donc pour eux, c'est vraiment un impératif moral d'action. Et le fait de ne pas s'engager est également perçu comme un engagement.
Donc, si on prend ces trois paradigmes pour les appliquer aux bibliothécaires, on peut donc se dire que l'engagement des bibliothécaires est à la fois la résultante d'une analyse coût-bénéfice pour soi ou pour la société. Pourquoi aborder tel sujet dans ma politique de service ou proposer tel service ou voilà, proposer telle animation va apporter quelque chose de plus à l'usager. Le fruit d'une sociabilité organisationnelle qui va être propre à la bibliothèque comme espace de débat, d'échange d'expériences et aussi qui est induite par les échanges entre professionnels. Et enfin, la conviction que je peux, en tant que bibliothécaire et en tant que collectif, apporter quelque chose sur un plan moral pour la société. Voilà un petit peu si je devais définir l'engagement des bibliothécaires. Merci Johanna pour ces éléments effectivement de définition et de concept. Alors, je le disais en introduction, et c'est ce qu'on va voir maintenant, ce type d'engagement, ces éléments d'engagement paraissent contradictoires, je dis bien paraissent, tu nous diras ce que tu en penses, avec l'un des principes, je cite celui-là mais il y en aurait d'autres, le principe de neutralité de l'agent public. Comment, de ton point de vue, on peut quand même arriver à concilier les deux? Alors, c'est vrai qu'il y a un point d'achoppement entre engagement et neutralité et qui va se poser au niveau de la dimension politique que peut prendre l'engagement. Et là, il y a évidemment une gradation entre les différentes formes d'action qui peuvent être liées à un engagement. Quelques exemples comme ça, dont on pourra peut-être parler dans un second temps, mais voilà, si je souhaite engager des actions dans ma bibliothèque sur l'accueil des populations LGBTQI+, ou sur le développement durable, en fait, ces actions vont faire écho à des politiques qui sont menées à un niveau national. On a par exemple, la France a un ambassadeur LGBTQI+, qui va défendre ces idées-là sur le plan international. Donc, on est en cohérence avec une politique qui est menée à un niveau national et qui est acceptée. Pour autant, ça reste une forme d'engagement pour faire progresser une cause. Cependant, le droit, ou en tout cas les politiques nationales ou internationales, peuvent aussi poser des questions éthiques aux bibliothécaires. Je pense notamment au mouvement contre le Patriot Act, qui était une loi antiterroriste qui a été adoptée au début des années 2000 et qui a beaucoup heurté les bibliothécaires aux États-Unis puisqu'ils devaient transmettre des informations sur le type de documents qui étaient empruntés par les utilisateurs. Je pense plus récemment aussi à l'adoption du pass sanitaire et vaccinal, qui a aussi beaucoup questionné les bibliothécaires sur ce qu'elles représentent et ce qu'ils peuvent faire. Et donc c'est sur ces questions-là qu'il va y avoir des points d'achoppement et qu'il va y avoir une réflexion plus poussée à mener pour ne pas que l'agent, en tant que bibliothécaire et la bibliothèque par extension, prenne des risques et puisse faire l'objet de poursuites, par exemple. Alors, je voulais porter à votre connaissance un guide qui a été publié récemment par un collectif qui s'appelle Nos Services Publics, qui s'intitule « Guide du devoir de réserve et de la liberté d'expression des agents publics » et qui propose justement toute une analyse juridique. Il y a des magistrats qui ont travaillé à l'élaboration de ce guide, qui montre que cette question est très complexe, que les interprétations divergent, mais je ne vais pas pouvoir vous le détailler, mais pour vous donner envie d'aller le lire, eux, je cite, disent que la parole des agents publics est d'utilité publique. Et donc, ce sont ces prises de progression qu'il faut aussi, qui créent des opportunités pour le service public et donc pour les Français. Alors, je signale à ceux qui nous regardent que, merci Johanna de cette référence, on mettra le lien vers ce guide sur la page du Bibliogrill, comme ça vous pourrez effectivement aller le consulter et prendre connaissance de toutes ces analyses juridiques qu'ils ont réalisées. Et justement, tu en parlais à l'instant en citant ce guide, c'est aussi la question qu'on peut se poser. On a vu donc par rapport entre engagement et principe de neutralité, mais aussi l'autre question, ça peut être quelle légitimité je vais avoir en tant que bibliothécaire à m'engager. Et à ce sujet-là, qu'est-ce que tu en penses ou qu'est-ce que tes recherches t'ont amené à conclure? C'est vrai que la question de la légitimité est tout à fait centrale lorsqu'on s'intéresse sur l'engagement. Est-ce que je suis légitime à parler de tel sujet alors que je ne suis pas un scientifique, un ingénieur? Je pense notamment à la transition écologique. Est-ce que c'est mon rôle? Est-ce que j'ai les compétences? La bibliothèque est-elle légitime à inviter des personnes avec des avis
controversée ou tranchée. Voilà, tout de suite, on arrive à la question de la légitimité, c'est est-ce que je peux faire ou pas, non, alors, à la fois du point de vue du droit, mais aussi d'un point de vue plutôt moral. De ce point de vue-là, Mark Sukman, qui est un sociologue américain, il propose une typologie très intéressante de la légitimité institutionnelle qui comporte trois parties. La première, c'est la légitimité pragmatique. Donc, qui s'interroge sur les services que propose une institution pour répondre aux besoins des usagers. La deuxième, c'est la légitimité morale, qui vient renvoyer à une conviction, en l'occurrence celle d'agir pour l'intérêt général quand il s'agit d'institutions publiques. Et la troisième, qui est la plus intéressante, je trouve, qui est la légitimité cognitive, où on renverse la perspective et qui s'attache à comprendre la façon dont l'institution va être perçue de l'extérieur, c'est-à-dire comment on regarde la bibliothèque et en quoi ça la rend légitime ou non pour agir. Donc si on applique cette typologie aux bibliothèques, moi j'en conclus que les bibliothèques sont légitimes pour s'engager et agir dans de nombreux champs, d'abord parce que leur légitimité pragmatique est garantie par la loi en France, par la loi et par un ensemble de textes internationaux, mais de manière très importante par la loi. Ensuite, parce que leur légitimité morale est le fruit d'un héritage institutionnel qui a beaucoup évolué, ça fait le lien aussi avec la perception, mais qui se construit encore aujourd'hui à travers la diversification des services, mais agit toujours dans l'intérêt cet intérêt général et de ce bien commun. Et donc la troisième, la question de la perception, c'est voilà, la bibliothèque n'est plus seulement un temple du savoir, mais aussi une institution qui veut rendre des services multiples, qui veut informer, qui veut donner accès à. Et donc cette évolution de la perception, elle se construit aussi au fur et à mesure. Et à travers qu'on modifie la perception, on travaille aussi sur la légitimité qu'on a à agir. C'est vraiment quelque chose qui se fait dans les deux sens. Et donc c'est ici qu'on atteint le lien avec les politiques publiques. Plus on arrive à faire ancrer dans les politiques publiques, qu'elles soient locales, qu'elles soient nationales, cette idée que les bibliothèques sont légitimes pour agir dans un certain nombre de champs, plus elles vont le devenir. Mais tout ça, c'est un cercle vertueux, je vais dire. Alors justement, tu parlais au niveau donc de la loi et au niveau aussi international, et j'évoquais par rapport à un point d'actualité les associations professionnelles. On a vu que l'IFLA dispose d'un code, enfin s'est doté d'un code d'éthique et de conduite professionnelle. L'ABF aussi a un comité d'éthique. Qu'est-ce que, selon toi, cela traduit, ce genre d'institution ou de code mis en place par des professionnels, par des associations? Qu'est-ce que cela traduit comme préoccupation justement de la profession vis-à-vis de ces questions, ben, d'engagement? Alors déjà, je trouve que ça illustre le fait que les bibliothécaires se questionnent beaucoup, s'interrogent beaucoup, discutent, échangent, c'est ce qu'on fait ce matin, sur ce qu'ils sont, ce qu'ils ne sont pas, pourquoi. Voilà, il y a beaucoup de débats et qui ensuite prend la forme de synthèses qui sont rendues publiques, qui sont ensuite peuvent faire l'objet de retours, qui peuvent voilà. Donc déjà, c'est une chose qui est, je trouve, très intéressante à signaler. Et ensuite, donc c'est aussi un moyen de se référer à un cadre institutionnel en cas de danger, en cas voilà, d'orientation qui ne serait pas dans la lignée de ces différents comités, des différentes jalons qui ont été posés. Et c'est aussi un moyen de témoigner de l'évolution de la profession et de ce qu'elle a apporté à la société et de ce qu'elle souhaite continuer à apporter à la société. Et alors, moi, quand je parle de légitimité institutionnelle, voilà, ces codes aussi relèvent d'une forme d'institutionnalisation. Pour moi, c'est pas du tout une critique d'être institutionnel. On sait que les institutions, il y a des limites, voilà, il y a des critiques qui peuvent leur être formulées, mais ça apporte aussi une certaine forme de stabilité. Et il y a une reconnaissance qui en découle. Et donc, il y a aussi des avantages à être une institution. Et je pense que tout ça, ce sont des jalons qui sont fixés dans le temps par les bibliothécaires. Alors, avant de passer aux questions de nos collègues, justement, qui nous regardent, et n'hésitez pas à continuer de poser vos questions. On verra, on n'aura peut-être pas le temps de répondre à toutes, mais n'hésitez pas, en commentaire sur Facebook ou sur PPI Pro, vous en avez l'habitude. La dernière question que je voulais te poser, et certains aspects, bien sûr, on en reparlera en deuxième partie, on entend beaucoup parler, peut-être que tu
pourra définir en tout cas le concept ou les éléments. On parle de responsabilité sociale et environnementale, hein, la fameuse RSE, notamment pour les entreprises. En tout cas, c'est là qu'on en entend peut-être le plus parler dans la presse, même dans la publicité parfois. Qu'en est-il pour les bibliothèques? Est-ce qu'elles sont dans ce mouvement ou pas? Est-ce qu'on doit attendre d'elles qu'elles y participent ou pas? Enfin voilà, quel est ton avis? D'autant plus que c'est un sujet, je crois qu'on peut le dire, c'est pour les collègues qui voudront lire ton mémoire, que tu avais beaucoup, beaucoup travaillé dans ce mémoire. Tout à fait. En fait, ce terme de responsabilité, c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler, on en a entendu de plus en plus parler récemment. Du point de vue des entreprises, il a fait l'objet de normes AFNOR notamment. Il est explicitement mentionné dans la loi depuis quelques années déjà, depuis 2010, et également au niveau européen. Il y a des guides qui ont été publiés par la Commission européenne à ce sujet. Donc voilà, il y a un certain nombre de références. D'un point de vue juridique, de nouveau, la responsabilité, c'est une notion assez claire. Ça implique en fait une forme de redevabilité de la part de celui qui endosse cette responsabilité envers ceux qui sont les récipiendaires de son action. Donc il y a de nouveau une idée d'échange entre deux parties. Et d'ailleurs, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen indique clairement que la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Et donc, on retombe assez rapidement sur la notion de responsabilité institutionnelle et sur une notion un petit peu sœur, si je puis dire, qui apparaît aussi beaucoup dans le débat public, et celle de l'exemplarité. Quand on réfléchit aux institutions, on va se demander voilà, en quoi elles peuvent être exemplaires, notamment sur le plan social et environnemental. Et sur cette question, je vais un peu ouvrir le débat parce que je pense que c'est très intéressant qu'on puisse en discuter ensemble. Mais voilà, les bibliothèques doivent se questionner sur leurs ambitions, sur ce qu'elles souhaitent apporter. Et on a des exemples absolument formidables d'actions de toutes envergures qui sont proposées par les bibliothèques en lien avec la transition écologique et sociale. Évidemment, elles ne peuvent pas faire cavalier seules. Il faut s'entendre avec les élus, parfois les convaincre, parfois réessayer de les convaincre, voilà, ça prend du temps sur beaucoup de sujets. Mais l'actualité qu'on vit aujourd'hui, c'est aussi une opportunité pour les bibliothèques de dire à tout le monde, voilà ce qu'on peut vous apporter sur tous ces champs, en matière d'accès à la culture, à l'information, en tant que lieu d'accueil social, en tant qu'espace de débat. Et il faut les mettre en avant encore et encore, et peut-être finir aussi, voilà, à l'inverse, j'ai très très peu d'exemples sur des bibliothèques qui seraient irresponsables. Voilà, qu'on montrerait du doigt pour leurs actions nocives contre l'environnement, contre. Donc, c'est aussi pour vous dire que, de manière générale, les bibliothèques sont des institutions responsables, voilà, de leur action de base, mais qui c'est tout à fait ouvert pour essayer d'aller plus loin et de mettre en avant ce qui est fait. C'est au moins une nouvelle rassurante. Merci, merci Johanna. Et ça me faisait penser, parce que sauf erreur, l'appel est lancé de l'IFLA pour le prix Bibliothèque verte. D'autant plus que l'an dernier, la Canopée, donc les bibliothèques françaises aussi, peuvent remporter des prix internationaux comme celui des Bibliothèques vertes. Merci Johanna déjà pour tous ces éléments. Alors, on a quelques questions qui sont, tu t'en doutes, arrivées et j'ai envie de commencer par une question assez vaste, je te le cache pas, mais tu as un peu de temps pour répondre. Est-ce que la neutralité existe en bibliothèque? J'avoue que c'est une vaste question. C'est une très vaste question. J'ai participé à, enfin, j'ai contribué oui, une conférence qui est organisée par David Lankis, qui est un bibliothécaire américain, sur cette question de la neutralité. Est-ce que ça existe encore? Est-ce que ça a du sens de l'appliquer? Voilà. Alors, c'est surtout quand nous, bibliothécaires, on s'interroge sur l'accès à l'information et qu'on arrive très très vite à cette idée de censure. Qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce qu'on met pas, voilà. Il y a certains points où j'ai vu que la neutralité pose encore beaucoup de questions. C'est, voilà, s'il faut se demander en termes de politique documentaire jusqu'où on va, ce qu'on choisit, ce qui peut porter un risque ou non. Il y a des exemples, hein, de conférences qui ont pu être annulées par les autorités administratives. Je pense à un exemple en Nouvelle-Zélande parce qu'il y avait un risque pour l'ordre public. Voilà, et donc on oppose des principes fondamentaux, d'une part,
l'organisation par la bibliothèque d'événements au nom de, du débat, de l'échange, voilà, sous couverture donc, alors, de neutralité ou du moins d'accorder une importance égale aux différentes opinions, mais qui, cette fois-ci, vont poser question. Et donc là, je vais faire référence à la loi. L'idée de la neutralité, elle doit être réfléchie, elle doit être pensée, du moins en termes de politique documentaire, de manière concertée, sur la base voilà, des compétences professionnelles qui se trouvent en bibliothèque, et en discutant, en explicitant avec les élus, avec les personnes qui sont responsables de la bibliothèque, enfin, qui indirectement sont responsables de la bibliothèque, parce que c'est que comme ça qu'on peut, éviter des formes de conflit. Parce que moi, ce que je trouve, c'est que si le principe de neutralité mène à des conflits, c'est qu'il y a quelque chose qui aurait pu se passer un petit peu différemment. Et je suis sûre que chacun d'entre vous a des exemples sur quelque chose qui va considérer comme relevant du métier, d'autres qui non, parce que c'est en dehors, c'est de la neutralité. Voilà, c'est des débats qu'on pourrait avoir longuement. Effectivement. Et alors justement, il y a une autre question un peu liée à ce que tu évoquais. On nous demande comment une collectivité peut se prémunir d'éventuelles dérives par rapport à, voilà, tu évoquais des événements éventuellement annulés, des choses comme ça. On a tous effectivement des exemples en tête. Est-ce qu'il y a des recours, des éléments de droit aussi peut-être qui peuvent servir? Alors, il y a la loi introduit donc l'idée que la politique documentaire puisse être discutée avec les élus. Ce qui est compliqué, et vous le vivez aussi, voilà, c'est parfois l'ampleur que peuvent prendre des choses exacerbées par la communication sur les réseaux. Et là, je dépasse largement le champ des bibliothèques, hein, mais on voit qu'il y a certaines questions qui deviennent, qui ont toujours été, mais très très sensibles politiquement. Et donc, voilà, peut-être que certains qui ont des retours d'expérience concrets en parleraient mieux que moi, mais cette idée de dialogue renforcé, de communication, de pédagogie, et bon, voilà, je dirais pas renoncer quand même, parce que sinon on revient on renonce à l'engagement, mais la loi en tout cas bien protéger la diversité documentaire, les missions des bibliothèques. Et donc, c'est vraiment quelque chose qu'on peut utiliser, employer, si jamais il se pose des questions. Et puis donc, il y aura personne n'a effectivement envie de se lancer dans un recours administratif. Mais si ça doit être fait, il faut le faire. Parce que maintenant, on a cette loi et c'est un outil pour nous tous. Et pour prolonger la, parce que tu évoquais effectivement les aspects et sont nombreux autour de la politique documentaire, mais je pensais aussi, et tu l'as sans doute vu passer, on est nombreux à avoir vu passer les problématiques autour plus d'animation culturelle type lecture par des drag queens à Paris qui avaient été finalement annulées. Enfin, je pensais aussi à des exemples comme ça d'actions culturelles qui rencontrent l'opposition de groupes. Plus ou moins politisé, enfin ça dépend des cas. Est-ce que là aussi, qu'est-ce que tu en penses à ce niveau-là? Est-ce que la loi aussi peut aider? Alors il faudrait l'analyser, l'interpréter à l'aune d'un exemple précis. En tout cas, il n'y a rien d'illégal à organiser, si on renverse la perspective, à organiser ce type d'événement. Il est certain qu'il faut un soutien politique, que ça demande des précautions qui vont pas être nécessaires pour l'heure du compte, par exemple, parce que on n'est pas du tout sur les mêmes problématiques, et que ce sont des choses qui doivent être discutées et peut-être aussi faire des mais il y en a énormément des échanges avec des événements qui ont pu bien se passer, dans quelles conditions, voilà. Et après, c'est aussi comment, là on en vient à une question plus large, comment les bibliothèques participent de manière plus large au fait que de réussir à faire accepter que ces événements sont des événements aussi, voilà, qui devraient être aussi normaux que l'heure du compte. Mais ça, c'est quelque chose qui pourra prendre plus ou moins de temps. Et on voit même certains pays, je refais référence aux États-Unis, où on retourne en arrière sur les programmes scolaires, on enlève des livres de certaines. Donc, c'est un combat où on a l'impression qu'on ne peut faire qu'avancer, mais pas que. Donc, ça nécessite un travail de conviction, de pédagogie, de réflexion. Il y a des moments où c'est peut-être pas le bon moment, malheureusement, mais il faut aussi l'accepter.
Et on nous demande aussi, est-ce qu'un engagement militant personnel qu'on peut avoir en dehors de son travail, je suppose, peut décrédibiliser mon activité professionnelle? Est-ce que tu as réfléchi à cette question-là? Je suppose que oui. Qu'est-ce que Alors, tu en penses? cette frontière avec le militantisme, j'imagine que ça fait référence à un militantisme politique, sûrement rattaché à Oui, une je pense. formation politique. Voilà. Donc ça, c'est une question qui est totalement transverse à toute la fonction publique, hein, qui ne s'arrête pas du tout aux bibliothécaires. On a tout à fait le droit d'être militant, seulement ça doit se faire effectivement en dehors des heures de travail, il n'est pas question de faire ça sur son lieu de travail, d'imprimer des tracts. Voilà, il y a quand même tout un ensemble de règles à respecter. Ce sont des choses séparées. Il y a aussi et d'ailleurs, il y en a question dans le rapport que je citais, toute la question de la prise de parole sur les réseaux sociaux, à titre individuel. Voilà, on revient dans le principe de neutralité et de guide. Je vous invite vraiment à aller le lire parce que c'est très intéressant sur cette question-là. Après, la question de la crédibilité, là aussi, on rejoint la perception. Est-ce que ça va rendre plus ou moins crédible mon action? En tout cas, c'est pas illégal de le faire si on respecte des conditions. Après, il y a aussi voilà, il y a des choses qu'on maîtrise pas sur la façon dont va être perçue notre action, si elle peut nous nuire ou au contraire, voilà. Nous être utile. Il y a des exemples de bibliothécaires qui ensuite ont été élus. Il y a des voilà, il y a, le lien avec la politique peut tout à fait se faire. Il faut juste garder à l'esprit que ce sont des activités différentes et aux objectifs différents. Voilà, il faut pas mélanger les genres, même si on peut avoir des convictions personnelles fortes. Voilà, c'est un peu le conseil que je dirais et la lecture du guide. Et je pense que ce sera la dernière question dans le temps qui nous est imparti. Quelqu'un élargit cette question, encore une fois, de l'engagement personnel par rapport à l'activité professionnelle, à un autre type d'engagement qui est un peu à la frontière des deux, ou en tout cas transversale aux deux. C'est l'engagement, cette fois-ci, syndical. Et on nous demande si cet engagement syndical n'est pas forcément en conflit et hors cadre par rapport aux activités professionnelles. Est-ce que... Ah, non, sinon on remet complètement en cause l'idée de pouvoir être syndiqué. Voilà, encore une fois, la pratique syndicale est tout à fait encadrée. Il y a un ensemble de textes qui y font référence et qui, de nouveau, alors il peut y avoir du temps qui est réservé à l'exercice de ces activités syndicales. Voilà. Encore une fois, l'idée, c'est de concilier. Là, on est cette fois-ci sur la défense d'intérêts collectifs au sein d'une institution, enfin, même d'une entité, puisque ça existe aussi dans le privé. Et là, il y a un ensemble, voilà, il y a un ensemble de textes qui encadrent ces actions. Et c'est pas étonnant qu'il y ait des gens qui soient très engagés aussi dans certains milieux, enfin, en bibliothèque, je pense qu'on peut le dire. On est des personnes qui ont des convictions et qui souhaitent faire progresser des idées. Voilà. Après, il y a un certain nombre d'activités qui doivent être encadrées pour ne pas venir perturber le fonctionnement de chaque. Parce que ça peut, d'une part, poser question sur le fonctionnement de la bibliothèque et aussi sur le fonctionnement des syndicats et sur la façon dont ils défendent les intérêts des personnes. Eh bien, merci Johanna. Malheureusement, on n'a plus de temps pour les quelques autres questions qui étaient arrivées, mais vous le savez, c'est le jeu aussi de l'exercice. Donc encore merci Johanna de t'être prêtée justement à cet exercice et d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci à vous de nous avoir suivis et pour votre fidélité. Merci aussi à notre super équipe de la régie pour la réalisation technique, toujours aussi parfaite. Et je vous donne rendez-vous donc le mois prochain pour un nouveau Bibliogrill sur un sujet que vous allez aimer, je pense, un peu beaucoup, même passionnément, mais je ne vous en dis pas plus. Je vous donne rendez-vous pour tout savoir sur notre site BPI Pro, sur notre page Facebook. En tout cas, suivez nos actualités, comme ça vous saurez quel est le sujet. Merci à tous, merci encore Johanna, et au revoir à tous. Merci, au revoir et bonne journée à tous.